Cette insolence de Macky Sall est incompréhensible. Il faut l'arrêter. On dit que c'est la force qui arrête la forme. Vous allez le laisser comme ça, essayer de se mettre au-dessus des gens. C'est pas pour moi, je ne l'accepte pas. Parce que tout le monde me regarde, j'aurais pu me prévaloir de tout ça plus que lui. Parce que lui, c'est un descendant d'esclave. C'est un descendant d'esclave. Jamais. Tant que je serai vivant, il ne jugera Karim ici. Avec des juges qui ont déjà annoncé qu'il va le condamner, et après ça, il va le gracier. On n'a pas besoin de sa grâce. Il y a des choses qu'on ne peut pas accepter. Il a mis Karim en prison. Je lui ai laissé 2 ans pendant lesquels je n'étais pas au Sénégal. En disant que peut-être il va trouver. Il a dépensé des milliards pour chercher des milliards que certains lui ont promis. Et je le défie d'aller à la télévision, de dire voilà ce qu'il a fait. Ici il y a un compte, il y a tant, ici il y a tant, ici il y a tant, ici il ne le fera pas parce que ça n'existe pas. Macky Sall, s'il est fou, il faut le soigner. Sa place n'est pas là-bas au palais. Sa place est à la femme. J'ai dit que s'il fait le fou, je le soignerai.